Au chapitre social, toujours, on vous en a parlé, les sapeurs-pompiers de l'Hérault avaient décidé de lever le blocus des casernes et ils avaient promis de nettoyer leurs véhicules il y a une dizaine de jours. De nouvelles négociations ont été entamées hier, mais elles ont rapidement tourné court. Dès ce matin, le blocus a repris, notamment à la caserne de Montaubérou, quartier du Millénaire à Montpellier. Il faut savoir que nous, tous les ans, on fait cadeau de 553 heures, donc on ne demande absolument pas à ce qu'elles soient payées, c'est absolument pas ça. C'est récupérer un petit peu de temps de travail pour l'instant, donc on a demandé à récupérer 192 heures sur les 553 qu'on perd tous les ans, sans compter bien sûr les nuits, les week-ends, les jours fériés qui ne sont pas comptabilisés, mais bon, on n'en parle même pas.